Et salut tout le monde, c'est Vilgodin85. On se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play sur Assassin's Creed. Alors, hier cet épisode n'est pas sorti. Pourquoi ? Parce que déjà, enfin, hier j'ai essayé d'améliorer et de comprendre un logiciel pour justement améliorer la qualité des vidéos. Voir si je pouvais l'utiliser pour faire du pour faire des lives. Donc là j'ai réussi un petit peu, mais la qualité du jeu sera pas forcément terrible au rendu, mais ça restera comme l'épisode 2. Voilà. Sinon il est fort possible que je fasse un live la semaine prochaine. J'essaierai d'en faire un. S'il y a du monde qui vient et si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, tant pis. Je ne sais pas s'il y aura des rediffusions sur la chaîne, par contre, car j'ai des petits soucis, mais j'essaierai de le faire. Si ça lag trop au niveau du rendu, j'arrêterai complètement. Et si ça c'est potable et que ça le fait, je posterai les rediffusions. Mais ça, je verrai ça la semaine prochaine, je ferai des tests et tout. Donc, on est parti pour l'épisode 3. C'est parti. Hop. Donc, on est toujours Desmond Miles. Et on incarne Ethan Kenway, en cours. Plus pour très longtemps, je pense, mais voilà. Alors, du coup, je sais plus ce qu'on devait faire. Ça, c'est un lieu. Là, ok. Poursuivez la page d'almanach pour les collecter. On va continuer la mission. Le savoir des armes. Ok. C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage? Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Ok, let's go. Ok. Ouais, notre nouvelle recrue. Ok, alors. Donc pour le moment, je fais les missions principales. Et après, on verra pour faire les missions secondaires et tout. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Ok. Comment as-tu fait ? Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Donc ouais, on fera les missions secondaires et tout comme ça plus tard. Pour le moment, on fait la mission. Puis s'il y a, par exemple, des endroits où il y a des visions d'aigle ou tout comme ça, on le fera. Hein, mais. Vous vous comportez comme un traître. Ok. Mais pour le moment, on fait ça. Et quand comptiez-vous vous annoncer? Où espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Oh, mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir.
et les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes. En gros, ça va être chaud, je pense. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire ? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Ok. Ok, ok, ok. Enlevez Monsieur Pitcairn. Quoi ? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Ah, cette mission, je me souviens, la première fois que je l'ai faite. Parce que j'ai un peu découvert le jeu avant de vous le faire. J'en ai chié, clairement. Où peut-on aller ? Pourquoi pas à Marlboro ? Non. Les habitants sont heureux. Oui. Leurs maisons sont belles et leur vie sans souci. Alors, les... Mais non ! Casse-toi, casse-toi. Les nouveaux arrivants arrivent souvent. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir les enfants. Ok. Donc excusez-moi si pour ça... Oh merde. Je ne parle pas beaucoup. Excusez-moi si je parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que cette mission elle est vraiment dure et j'ai dû la recommencer une dizaine de fois parce que je m'étais fait repérer, alors voilà. Vite, 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 là, hop, let's go. C'est cool ça. Alors, on continue. Maintenant. C'est parti, let's go. Ah oui, ça. Ah, il va faire un caca nerveux, je me rappelle. Oh ! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles. On ne veut pas de votre fausse guerre. Attrapez-le ! Let's go. Il lui jette de la merde, clairement. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour provoquer ? Hop, 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 hop. Bah oui, il faut rester là, non ? Oh. Bah oui, il faut bien rester là, non ? Je sais plus. Ok, il y avait un petit bug. Bon, bon, d'accord, c'est... Ah, voilà. Petit bug du jeu, c'est pas mal aussi. Lâche-le, Edward. Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Baston, ça j'aime. Let's go. Merde. On se bastonne avec quoi là? Oula, attendez, attendez. Ok, on va prendre l'épée. Ouch. Ça c'est dur d'empêcher d'appeler les renforts. J'ai essayé pour réussir. Oh. C'est pas grave si on fait pas tout en 100%. Hein. Le principal c'est que vous découvrez le jeu et l'émission.
Let's go. Là. Je t'épargne en souvenir du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent. Par contre, il est moche là. Aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots! Et quand tu agoniseras, comme j'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront de... Tu parles tout seul, tu fais un monologue, mon gars. Ok, let's go. Faut qu'on aille du jeu. Ouais, on n'a pas allé. C'est pas grave, ça. C'est une chose qui arrive. Alors. Bah, on va continuer. Ok. Pour le moment, on est tout le temps dans cette auberge. Cette espèce d'auberge. Mais bon. Donc là, on a, je crois qu'on a regroupé tout le groupe en entier, si j'ai bon souvenir. Et donc normalement, on va partir faire notre première mission tous ensemble. Ça doit être ça. Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui? C'est un nouveau? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Ok, on doit trouver un convoi. Bah c'est parti. Voilà. Franchement il est stylé cette mission, j'aime trop. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. J'aime bien que tu m'appelles sœur, mon gars. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. Mais madame, qu'est-ce que tu fais? Ok, elle est tournée en rond et puis elle a traversé le chariot. C'est pas mal ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'empêche rien à jouer. Appuyez sur B pour ramasser une arme. Oh. Ah oui, là. Taper le dernier. C'est parti. Baston. Allez, voilà. J'ai pas réussi à esquiver. Là j'ai réussi. Voilà. Tiens. Alors, suivant. Ok. Bon, c'était rapide, hein. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi? Tu fermes ta gueule. Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Ça sent les petites histoires d'amour dans l'avenir, ça. Enfin. Sais-tu comment Silas s'est organisé? De combien d'hommes il dispose? En quoi consistent ses défenses? Alors là, c'est bien.
parce que tu fous rien et tu vois tous les à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Et tu vois tous les assassins tuer les mecs. Regardez dans le champ à gauche. Des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Ok, on roule un peu de traviole là. T'aurais pu prendre de large les. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, il est beau ce jeu, je trouve. Hein. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Après, je sais pas ce que moi je vois et puis le rendu que ça donne sur YouTube. Je sais pas si ça rend bien, mais bon. Mais bon. Voilà. En vrai, bah, pour ceux qui connaissent pas le jeu ou qui voudraient y jouer, achetez-le et vous verrez, les graphismes, ils sont magiques. J'ai pas envie de faire de conneries, alors. Tous à l'attaque! Ok. Bah, heureusement que j'ai trouvé la touche, parce qu'on était limite repéré. Allez, on continue. Qu'est-ce qui chiale? Ça y est. Oh là là là, je vous jure, ça c'est vraiment des bonnes femmes. Enfin. C'est mon dit chien. Maintenez-les au loin. La faucheuse vient de chercher. Alors vous voyez, il vient de tirer un coup de feu. Mais ça n'alerte pas les gens là-bas. Et surtout que. Il y a quand même des gardes dans le fond. Ils ont pas vu qu'il y avait un gars qui sautait du toit et qui avait assassiné l'autre. Non, ça c'est. Que dalle. Bien entendu. Et là, regardez, les autres, ils peuvent très bien les voir, ceux-là. Ceux qui sont à gauche et tout, ils peuvent très bien les voir, mais non, ils les voient pas. Et en plus, ils en ont laissé un vivant là. Oh. Tous à l'attaque. Tu me diras, au final, il y en a quasiment aucun qui reste vivant. Mais quand même, c'est un peu juste. C'est un peu ouf. On roule sur l'assassin aussi. Ah ben non, il a réussi à s'enlever, mais heureusement pour lui. On roule sur les cadavres. Oh, c'est pas mal, ça c'est bien fait. Allez. Ah ouais, cette mission elle est assez chaude, je trouve. De la discrétion. Halt! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire? Livraison pour Silas. Allez-y. À l'époque, il n'y avait pas la carte d'identité. Alors, c'est vrai qu'on pouvait pas, on pouvait pas voir s'il y avait ou pas la carte d'identité. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... baiser. Laisse-la. Mais elle va nous trahir. Enfin, il aimerait non, pas pouvoir baiser. Hein. Juste, il s'est fait baiser. Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? La mort. Ok, on va buter Silas. C'est parti. Vous serez prêts, faites-nous signe. Alors, ce que je pense plutôt qu'on va faire... Ok, on va partir comme ça. On va essayer de passer par derrière. Oh, ça va être chaud ça. Hop. Hop. Ok. Ok, donc là en fait on va devoir libérer les prisonniers sans se faire repérer par ces abrutis. C'est parti. Mais c'est super bruyant, mais il n'y a personne qui va repérer.
Je trouve ça vraiment un peu con, mais bon. Oh la vache. Cachez-vous, bande d'abrutis. Alors. Du coup. Et tu m'as pas vu, toi, d'où tu m'as vu? Oh merde. C'est ça, comment ça? Hé, les gars. Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis? On est comme des frères. Ouais, voilà, ça c'est nul. Bon. Qu'est-ce qu'il attend de nous, Silas? Allez, bouge. Les prisonniers, leur prendre leurs bijoux. Allez. Il paraît que certains ont du métal précieux. Casse-toi, voilà. Parce que tu es, même discrètement, un mec ici. Compris, risqué. Je suis à vos ordres. Oh. Et comment accéder là-bas aussi? Putain, ça va être tendu. Ok. Ok. Bouge. Hop. En étant un peu discret. Hop. Là, deuxième fait. Ouais, et je trouve ça, et quand même. Le mec, il casse quand même des cadenas juste avec la main. Attention. Il casse des cadenas à la main. Oh putain, merde. Je l'ai pas vu. Merde. Ça, c'est vraiment serré, celui-là. Quand il sera... Oh putain... Ok, go. Putain, éponge. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais c'est vrai que cette mission elle est vraiment tendue. Allez là, mais saute! Voilà. On va essayer d'y aller par là. Ok, on peut pas. Ça, ça me fait plus chier déjà. Ok. Allez, 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 mon gars. Je sais que t'es capable. Il monte. Hop, 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 hop. Merde. Oh. Bon, ça, en vrai, il serait déjà fait repérer, le bonhomme. Ok. On va attendre que lui y passe. Putain, on est bon quand même. Si on peut aller plus loin, ça serait plutôt cool. Ok. C'est un peu critique. On va essayer de monter. Ça va être chaud cette mission encore, je le sens. Allez, casse-toi, s'il te plaît. Allez, barre-toi, je monte. Non, 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 non. Là. Allez, monte. C'est bien ça, ils voient rien. Hop. On va rester là. Monte, monte là. Monte là, tu peux pas monter là. Eh gros.
pas, il peut pas monter là. Ok. Alors. Et on peut pas assassiner non plus d'ici. Oh putain. Puis là, c'est vachement discret, je t'avoue. Que... Hop. Putain, mais il m'agace lui en vrai. Hein. Je vais voir si on peut l'assassiner. Comme ça. On va voir. Oh merde. Merde. On va faire ça plus discret, hein, parce que... Quand vous serez prêts, faites-nous signe. Limite, on va commencer par le bateau, les gens. Ok. Parce que le bateau, je trouve plus simple. Enfin. On va passer par la partie que j'aime bien. Parce que sinon... Ça va pas être possible. Est-ce que je peux t'assassiner toi? Ok. Ok, let's go. On va monter là. Allez, monte. Et monte, tu peux monter quand même. Dépêche-toi avant que l'autre arrive. Mais purée! Oh! Bon. Quand vous serez prêt, faites-nous signe. Au pire, on va recommencer comme on avait fait tout à l'heure. On va y aller au pas de course parce que sinon. Ça va me gaver deux minutes. Ok, on court. On y passe. Par derrière. Allez, bouge. Là. Comme ça. Voilà. Bien, s'il faut, on le assassine. Ok. Ouais, tu nous as à l'œil, mes couilles. Allez. Move. Allez, va dans ta tente, je les libère et puis on se casse. Ok, let's go. Allez, cette fois on essaye de faire ça tranquille les gens. Parce que sinon, ça va être chiant de refaire 50 000 fois. Alors, on se casse. Hop. C'est où l'autre déjà? Oh putain, c'est à travers champ. Ok, c'est ici. Allez, barre-toi. Ok. C'est parti. Mais purée, en plus, le bateau, je sais plus la dernière fois comment j'avais fait. Mais je me souviens que j'avais réussi, mais je sais plus comment j'ai réussi à le faire. On va y aller. Hop. Mais bouge aussi. Putain. Oh. Vite, 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 vite. Bouge. Voilà. Oh. Oh merde, j'aurais jamais dû faire ça. Allez, là, barrez-vous. Bien. Ok, let's go. Je me souviens, je suis monté par là, je crois. Merde, là, donc là.
remonte. Putain, merde. Hop. On va se planquer là. On va se planquer bien dans le coin. Mais non, là, viens là. Descends. Ta vie touche à sa fin. Oh non. Mais purée. Ça m'agace. Quand vous serez prêt, faites-nous signe. Allez, on va essayer une dernière fois. Si on n'y arrive pas, on se laissera là. Et puis on recommencera pour l'épisode d'après. Je sais pas quelle heure il est. Hop, attendez 2 minutes. Ok. Allez, on réessaye une dernière fois. Si on y arrive, on se laisse là-dessus. Sinon, on abandonne, monsieur là. Ça m'agace. Pour aujourd'hui. Ok, on fonce, parce que ça m'agace, limite. Hop, let's go. Là, là, non, 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 non. Allez, descends. Là, monte là, vite, monte. Monte. Là, voilà. Hey, mais comment on peut se planquer aussi là? Ah si, je sais. Ok. Dès qu'il va passer de l'autre côté... Maintenant ou jamais. Et putain, vite, libère. Allez, interagis. Là! On a fait le bateau. Maintenant, on plonge. Vite, 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 vite. Plonge, plonge. Vite. Allez, plonge. Voilà. Let's go. Vite. Saute. Passe par là. Non, 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 non. Hey, les gars. Tu m'as pas vu. Désolé d'arriver si tard. Papa. Les 4 heures qui m'arrêtent. Tu connais comme... Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis? Ok. On est comme des frères. En France. Ok. Putain, il est encore là, lui. Ok, on a réussi le bateau. Là, il devrait pas y avoir de problème. Hein. Il devrait pas y avoir de problème. Ok. Allez. Je crois que l'épisode il va s'appeler, il va s'intituler Galère au fort de sauce machin. je sens bien que ça va être comme ça parce que bordel. Oh merde. On se planque. Merde. Non. Mais sérieux? Oh les gens, je suis désolé, ça va faire la 6e fois que je le fais. Quand vous serez prêts, faites-nous signe. Let's go. Vous savez ce qu'on va faire. On va refaire ce qu'on avait fait.
Ok. En fait, on va commencer par là parce que je me rappelle exactement comment on fait pour le bateau. Donc, on va faire celui-là d'abord. Bon, attendez, on va se reculer un petit peu. Allez. On garde notre calme et je vous promets que là c'est la dernière fois. Et l'épisode, ouais, il va s'appeler Galère au fort de South machin. Ok. Let's go. Attendez, on va voir, c'est quoi? Je sais plus comment il s'appelle le fort. C'est South Boston. Ouais, je m'en fous. C'est South, je sais pas quoi. Ok. Bah, on n'a pas. Merde. On n'a pas d'infos. Claude, il est là-bas normalement. Ah ouais, je me disais, bordel, il arrive pas. Ok. Donc attends, parce que. Il vient tout le temps nous chercher la merde. Ouais, limite, je l'assassine. Ok, casse-toi. Ok. On va libérer le Bounoum. Et après, on va aller au bateau. Ok, let's go. Hop, on interagit. Allez là. Barre-toi, toi, là-bas. Ok. Allez, saute. Mais non, c'est pas cramé. Allez, barre-toi. Par là. Ok. On monte sur le bateau. Oh putain. Ok. C'est parti. On se planque là. Merde. Vite, on se planque là, j'ai dit. Non, on reste planqué là. On passe par là et on y va et on libère. Voilà. Réussi, bordel. Vous pouvez tous mettre un pouce vert pour cette réussite phénoménale au bout de la 58e fois. Ok, alors il passe devant le machin, le gars il s'en rend pas compte, tu sais. Ah, oh, putain, je vous jure. Ok. J'avais demandé une heure de calme, mais je suis réveillé au bout de 10 minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne. Quoi? Comment est-ce arrivé? On a libéré ma précieuse marchandise? C'était tolérable? J'aurai la tête des responsables, soyez-en sûrs. Mais avant, nettoyez-moi tout ça. Enfin, 10 minutes, ça fait. Tu es ceux qui cherchent à s'enfuir. Ça fait une demi-heure. Qu'ils soient avec nous ou contre nous. Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie. C'est compris? Et t'as fini, tchalé. Et eux, ils disent rien, tu sais. Ouais, ouais, ok, parle. Repoussez-les!
faut que je trouve et assassine le putain de général. Alors on va y aller. Mes potes vont faire ça tout seul. Moi j'y vais. Let's go. Non, c'est pas possible de passer par là. Mais il passe. Allez, t'y arrives. Bien joué. Benjamin, content de vous avoir parmi nous. Venez m'aider. Aïe. Mais tuez-le, bordel de chiottes. Je suis où, moi? Oh bah t'es mort. Voilà. Qui êtes-vous? Je suis Etam Kenway. Voilà. Vous ne me connaissez pas. Je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Voilà. Fini, mon gars. Il a même pas eu le temps de parler, le pauvre, il s'est fait bim, tête. Oulala. Un petit sourire en coin des deux. On parie que dans la suite, il va y avoir des petits coups de baise. Attendre. Enfin, c'est dit vulgairement, bien sûr. Le moins longtemps possible, je l'espère. La infiltration de Southgate. Ok, donc ça va être... L'épisode va s'appeler... Galère au fort de Southgate. En plus, on n'a même pas fait tout... Nous avons libéré les prisonniers Mohawk voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul Lee s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin. Yeah. Ok. Hop, et on arrive l'hiver. Boston séquence 3, ça sera pour l'épisode 4, les gens. Hop. Allez, voilà, on va retourner. Quoique, on va attendre au cas où que c'est pas enregistré. Ok, voilà. Donc. Oui. On va revenir au menu principal. Hop. On va voir où on en est rendu. 6%. Ok. C'est bon. Donc les gens, merci d'avoir regardé cet épisode. Franchement, cet épisode, il a été super con. Super con et super compliqué. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. J'espère que ça va vous faire marrer... Le fait que je galère autant pour juste libérer trois endroits où il y a des otages. Enfin, des otages... enfin, voilà, on va appeler ça des otages, hein, mais voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu tout de même. Et que bah, vous aurez passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la série. Sinon, lâchez un max de pouces verts. Partagez la vidéo. Faites découvrir à vos amis les let's play et ma chaîne, histoire qu'on ait une communauté de plus en plus grosse. Donc je sais, je me répète, je dis toujours aux épisodes, mais c'est vrai que ça me ferait plaisir d'augmenter la communauté, donc d'avoir une communauté un peu plus importante. Donc on est à 26 abonnés, enfin vous êtes 26 abonnés. Si la semaine prochaine on est à 30 ou 35, je fais un live.
Après, voilà, si on reste à 26 ou qu'on perd même des abonnés ou autre, peut-être que je ferai un live la semaine prochaine, ça sera un après-midi, je pense. Parce qu'un soir, ça va être difficile. Et puis bon, comme je pense qu'une majeure partie on est en vacances, l'après-midi, je pense que vous pourrez venir sur le live. Donc, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Facebook. Les deux, toutes les infos sont dans la description. Donc, tous les liens de mes réseaux sociaux et de ma chaîne sont dans la description. Donc, allez-y y faire un tour. Je vais peut-être mettre le lien de ma chaîne de streaming pour que vous ayez, pour que vous ayez au moins le lien. Mais de toute façon, je referai une annonce, je pense, la veille pour le lendemain ou la matinée. Non, je pense la veille pour le lendemain. Je ferai une annonce et puis une petite vidéo rapide pour annoncer le live. Donc voilà. J'espère que notre objectif des 30-35 abonnés pour la semaine prochaine, voire avant, hein, sera acquis. Sinon, bah tant pis, c'est comme ça, on attendra et puis je pense que ça va se débloquer au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc, pour la suite du Let's Play, donc en l'occurrence à demain pour l'épisode 4. On est déjà jeudi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que demain épisode 4 et lundi épisode 5. Parce que ce week-end, je pense que je vais pas pouvoir faire de vidéo. Ou alors, je ferai peut-être une vidéo, mais je vous l'annoncerai vendredi après-midi sur les réseaux sociaux. Si jamais je fais une vidéo, par exemple, du Orc Must Die ou du Hearthstone ou un truc comme ça pour le week-end, je verrai. Je sais vraiment pas ce que ça donnera, mais bon, on verra. Donc, je vous dis à la prochaine. À demain pour l'épisode 4. Tous ces gens!